Yahoo Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va être sur une maxi ouverture de figurines sur le site de Figure House. Je te le rappelle au cas où, si tu ne le sais pas encore, je suis en collab avec Figure House. Donc souvent j'ai une réduction, là il n'y a aucun rapport avec. Je te mets le code promo pour avoir moins 7% sur ta commande. Et là, j'ai profité principalement en fait que après la convention de Pau auquel j'ai participé en tant que staff où je suis allée les aider, tout simplement, je savais, j'avais entendu donc les chefs de Figure House dire tout simplement que après la convention, ils allaient faire un maxi déstockage du coup de la boutique, du site, et que donc bah, j'en ai tout simplement profité pour passer commande. Il y a 3 figurines que je n'ai pas achetées, que c'est Figure House qui m'a offert comme rémunération du coup pour Pau, et il y a 2 figurines que je me suis achetées. Je te préciserai bien entendu celle que du coup Figure House m'a offert et celle que je me suis achetée. Et à la fin de la vidéo, bien entendu, tu auras le rendu des figurines qui tournent comme d'habitude. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc encore une fois, merci Figure House pour ce cadeau parce que je trouve qu'il était plus que généreux. Je sais pas si j'ai mérité autant, mais bon, voilà. J'ai vraiment essayé moi de limiter aussi par rapport au prix parce que je trouvais ça un peu trop pour moi. Enfin, je pense pas que je mérite autant, très clairement. Voilà, moi je l'ai fait vraiment par passion, par envie, par amitié, par voilà, parce que tout simplement ils avaient besoin d'une personne en plus. Ça les a, je trouvais que c'était mieux quand même qu'on soit 5. Et du coup, bah voilà. Le carton, je peux faire la blague là cette fois-ci encore, désolé, hein, mais il est plus gros que mon avenir. Voilà, hein, très clairement, il est plus gros que mon avenir. On va le poser sur le vélo à côté. Tout va bien. Voilà, et le truc s'ouvre tout seul, c'est impeccable. J'avais déjà préouvert pour vérifier. Et en fait, là, le jour où je filme, on est mardi. Moi, je suis rentrée hier de la convention Animasia, donc j'ai juste ouvert pour vérifier. Du coup, si je savais plus s'ils allaient penser aux figurines que j'avais laissées à Pau ou pas. Donc, ça, moi j'ai commandé 2 figurines, donc une pop-up parade de My Hero Academia qui est Tsuyu, et l'autre c'est de Touhou Project et c'est Tenshi Inanai au niveau du personnage. Moi très clairement, Touhou Project, il me semble que je connais, mais j'ai pas dû regarder l'animé, mais j'ai craqué tout simplement sur l'apparence du personnage. Ça m'arrive des fois de craquer plus sur une apparence de personnage que sur le personnage en soi. La petite pub pour Figure House avec leurs petits flyers. Pourquoi il fait le focus dans le coin, je n'en sais rien. Et à l'arrière, il y a les infos comme leurs réseaux sociaux. Et je le replace encore une fois, mais ils ont aussi TikTok. Voilà. Et techniquement, je pense que d'ici janvier, il y aura encore des nouveautés sur leur site ou autre de la façon de faire. Et ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà, je ne dis pas plus. Donc on va commencer d'abord par les figurines qu'ils m'ont offert. Je trouve ça plus logique et je te montrerai après celles que j'ai achetées. Donc on m'a d'abord offert une petite figurine de Shikamaru. Au départ en fait je l'ai repérée le jour où on a fait les cartons, le vendredi, parce que donc le vendredi de 14h à 20h, 22h, je sais plus, on a fait les cartons et on les a déposés donc pour faire le stand. Et en faisant ça je vois une seule figurine de Shikamaru toute seule, et donc du coup bah, au départ je, comme il n'y avait plus les chefs quand j'étais tout seul dans la boutique, au moment où j'ai capté qu'il n'y avait qu'un seul Shikamaru et qu'ils allaient l'embarquer, je l'ai mis de côté sur leur bureau et j'avais laissé un billet carrément pour dire je l'achète, je la veux celle-là, la mets pas à la courbe, je l'achète. D'ailleurs ça les a bien fait rire. Après, je te spoil pas trop aussi sur la convention parce que je dois faire une vidéo story time. Elle sortira en novembre, comme la vidéo story time d'ailleurs sur ma convention Animasia, tout simplement parce que je veux, avant de poster la vidéo, qu'elle soit vérifiée par les personnes concernées, bien entendu. Donc, il y avait plusieurs personnages différents. D'ailleurs, à l'arrière, on ne voit pas un des personnages que nous, on avait après de disponible à la vente. Donc, voilà la figurine. J'hésite un peu à l'enlever de son socle parce que là c'est vraiment un carton et donc tu peux pas remettre après. Bref, donc là à l'arrière on voit qu'on a Deidara, Naruto et Sasuke. Et donc Shikamaru, tout version Shippuden. Donc on va la laisser là.
En plus, je pourrais très bien les laisser comme ça. Je me tête entre la déceler. La déceler et m'en racheter une pour qu'elle reste en sous le machin ou alors recoller après les contours et tout ça si c'est fait proprement pour la relaisser en boîte. Mais en même temps, en boîte, je vois pas, elle ne servirait pas à grand chose. Attends, on va l'ouvrir ensemble, tant pis. Ah bah. Tant pis. Je prends le truc parce que je veux la sortir de sa boîte. Ouais, ça, par contre, c'est chiant, c'est qu'on peut pas la déceler pour les conventions parce que sinon, bah, tu peux plus. Alors, faut que la personne accepte du coup d'acheter une figurine qui n'est plus dans son sort, quoi. Elle est bien protégée, ça dans le carton et tout va bien. Donc le truc, c'est qu'elle n'a pas de socle. Elle est toute petite. Alors, toute petite, elle... Ouais, ma main fait 15 cm, mon majeur fait 15 cm. Et si tu te demandes ce que j'ai à l'index, c'est que je me suis coupée à animasie avec un cutter. Et au cas où, je le redis, mais ça, c'est une perruque. Voilà. Donc, un petit Shigamaru Shippuden. C'est mon personnage préféré dans la série. On va te mettre là pour l'instant. Si jamais, là, il y a un stylo surprise, enfin aléatoire, Demon Slayer, ça sera sur ma vidéo de mes achats à Animasia qui va pas tarder à sortir. Je pense qu'elle sortira quasiment dans la foulée. Voilà. Donc, hop. On va mettre ça à côté de moi. Ensuite, du coup, oui. J'ai craqué et donc j'ai demandé une figurine de Milim, moi quand je me réincarne en slime, au cas où on en voit une qui est ici, que j'avais acheté aussi chez eux, il me semble. Oui, je crois que j'ai que 2 ou 3, 4 peut-être figurines sur 35 qui ne sont pas de figure à os. Donc, maintenant je suis peut-être à 40, mais 40 figurines au total et peut-être 5 qui sont pas de figurines. Donc juste celle-là, ne t'étonne pas, elle a déjà été ouverte, car c'est la figurine qu'on a utilisée pendant la convention pour la mettre en modèle. D'ailleurs, c'est marqué sur la boîte que c'était le modèle expo. Je tiens à préciser parce que tu vois, on entend. Tout simplement parce que c'est moi qui l'ai rangé, je crois. Donc c'est sûr qu'on entend tant. Je sais même pas si c'est moi qui l'ai rangé en fait. Voilà. Je te montre vite fait la boîte. Tu vois, il y a marqué modèle expo. Voilà, j'ai craqué sur cette apparence-là. Ça faisait un petit moment que je voulais me l'acheter, mais en fait, bah, j'ai jamais passé le cap. Tout simplement parce que j'avais plus des priorités que celle-ci. Mais là, j'ai complètement craqué. Ah non, c'est juste qu'il y a le socle. C'était socle qu'on entendait. Et donc là, voilà, elle ne t'étonne pas, elle s'est déjà ouverte parce que... D'ailleurs, j'ai même déjà précisé à Figure House que s'ils avaient besoin pour leurs réseaux sociaux d'ouvrir une de mes boîtes pour faire une vidéo avec et tout ça, j'ai toujours dit que j'étais OK. Donc, ça pourrait très bien un jour arriver que dans mes vidéos, la vidéo soit la figurine soit déjà décellée, quoi. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Il y a une punaise, la bestiole, qui est sur un de mes éclairages, et donc c'est le petit bruit que sûrement t'auras entendu. Et donc voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Très clairement, je voulais faire Minim en cosplay, mais je la ferai pas comme ça. Hein. Très clairement, soyons liés. Quoique, ça pourrait être la blague. Ça pourrait être une blague. Peut-être pour un shooting d'été. Ah, elle ne rentre pas. Merde. Ah, ça, j'avais pas prévu qu'elle ne rentrait pas. Attends, et si j'enlève le socle? Si j'enlève le socle, elle rentre, mais pas la mèche. Oh la blague, ah mince, vous voyez pas. Voilà, elle rentre mais pas la mèche. C'est dommage. Donc je la mettrai en haut du coup comme d'hab. Voilà. Achète des figurines, Ibi, mais fais en sorte qu'elle soit trop grande pour ne pas rentrer. Tout va bien. On continue et on termine donc avec la troisième figurine offerte par Figure House. Et c'est donc Azuki de Nekopara.
À savoir que je dois faire du coup, enfin, que j'ai en projet de faire du cosplay de Neko Para. Je dois faire Chocolat dans sa version normale. Et j'envisageais aussi de faire Azuki. Pourquoi ? Parce que Azuki est toute petite. J'ai envie vraiment de faire de plus en plus de personnages vraiment tout petits slash enfants. Hein, comme il y a Chiru, etc. que j'ai pu faire. Et donc Azuki aussi. Et à savoir aussi que j'ai un groupe de cosplayers, cosplayeuses sur Bordeaux et il leur fallait justement Azuki, donc je leur avais dit, ah bah tiens, je le ferai. Et quand j'ai vu qu'on avait la figurine pour la convention, j'étais là, j'ai demandé à mon chef en fait si on pouvait pas, enfin, donc à Figure House, si je pouvais pas juste la mettre de côté pour me l'acheter après. Et donc ils me l'ont offert. Voilà. Tout simplement. Voilà la figurine. Elle est juste trop belle. Ça fait une semaine que je t'ai pas vue. Une semaine et deux jours que je t'ai pas vue. Je te trouve à nouveau magnifique. T'es trop chou. Puis aussi, au niveau taille de poitrine, ça collait. Parce qu'elle est un tout petit peu. Je pourrais plus facilement tricher, du coup, en faisant des faux seins que celles qui en ont des obus, hein, très clairement. Et puis, je crois que celles qui ont les obus, je sais pas celles que je préfère. Voilà. J'avais regardé Neko Para, je crois que j'avais dû m'arrêter à l'épisode 6 parce qu'après j'ai pas eu le temps de continuer. Mais il faut que je reprenne tout simplement. Mais ça je reprendrai du coup au niveau du printemps parce que je pense que si je fais Azuki, ça sera plus au niveau de sûrement des conventions bordelaises de qui en printemps s'achetaient, tu sais, genre mai, avril-mai. Voilà. Hop, alors, ce que je n'aime pas, c'est faire mes ouvertures de figurines en étant dans cette pièce parce que je suis debout. Et ça, ça me stresse, tu peux pas savoir. Donc, je pense que les prochaines vidéos figurines, ne t'étonne pas si je suis dans l'ancienne pièce parce que là, ça me stresse. Ah, il y a du scotch. Ils ont scotché les côtés du carton avec le... C'est un peu con, ça. Voilà, le côté du carton avec la boîte. Bon, par contre, pendant la convention, je me suis rendu compte que les pop-up sont souvent très faciles à ranger. Et donc ça, pour le déménagement, ça rassure. Par exemple, la Tsuyu que j'ai, là, je l'ai déjà remballée pour la convention et donc je sais qu'elle est facile à ranger. Tu vois, le truc que je disais, là, j'ai ouvert et la figurine allait se casser la tronche. Donc, son soc est jaune tout simplement pour coller à sa tenue. Et elle est du coup, c'est un jaune crème, je dirais. J'aime trop, c'est mignon. Donc voilà, Azuki, en dehors de sa boîte. Ah, il y a un sens, ok. Oui, effectivement, il y a un sens. Oh, elle est trop chou. Je meurs. Et dire qu'en plus, le week-end dernier, c'est aussi pour ça que j'ai craqué, parce qu'il faut savoir que le week-end dernier, à Animasia, j'ai fait une maid, juste une tenue de maid, point barre, avec cette perruque-là. Et donc, du coup, voilà. Alors, juste en taille, elle passe, mais elle passe pas ici, donc on va la mettre là. Pour l'instant, on va la placer ici. Je réorganiserai mes figurines un autre jour. On fera sûrement ça peut-être ensemble avant que je fasse la décoration de Noël. Voilà. On va donc passer à la deuxième. Non, ça fait 4. Donc à la deuxième partie de la vidéo avec donc les figurines que je me suis achetées. Voilà.
C'est ça, avant c'était les cadeaux donc de Figure House. Et encore une fois, merci mes chefs. Donc, la fameuse fille où j'ai craqué juste pour sa tenue. Voilà. Donc là, j'ai oublié de te dire les marques. Donc la pop-up para, bah, c'est voilà. Ça, c'est une For You. Et de toute façon, la troisième, après, c'était une boîte complètement à part. Donc je sais pas s'il y avait une licence dessus. Donc là, c'est une For You. Ouh, ça n'a pas du tout été déjà ouvert. Ça. Je croyais, mais non. Ok. Ah, il a une odeur spéciale. Alors. J'ai plus de batterie, c'est pas vrai. Je descends. J'ouvre ça. On va faire une petite pause, je vais tout ranger dans les boîtes et j'arrive. On termine donc avec la figurine de Tsuyu. Je suis désolée, je l'ai pré-ouverte pour gagner un petit peu du temps sur la vidéo parce que bon, l'ouverture, voilà. Pourquoi j'ai craqué sur Tsuyu et pas un autre personnage de My Hero Academia? Il faut savoir que j'ai pas mal de personnages que j'adore dans My Hero Academia, mais pour l'instant, je suis en milieu de la saison 2 ou début de la saison 2 et donc je n'ai pas spécialement de personnages préférés. Il y a des personnages que j'aime pas spécialement ou j'en ai aucun avis. Il y a les personnages que j'apprécie. Mais dans les personnages que j'apprécie, je n'ai pas forcément encore choisi de préférence, d'ordre, de grade, etc. Et que Tsuyu, en fait, elle était à côté de moi lors de la convention de Po. La vitrine qui était à côté de moi à Po, il y avait Tsuyu. Je suis pas sûre que ce soit moi qui l'ai monté, mais je l'ai démonté, ça c'est sûr. On n'est pas sorti de son contexte, bien entendu. Et en fait, à force de l'avoir tout le week-end à côté de moi, enfin surtout le dimanche, ça m'a donné envie. Il y a un truc qui est tombé, je ne sais pas ce que c'est. Oh merde, c'est le manche. Il est passé où? Ok. Bref, et en fait, en même temps, Tsuyu, c'est une grenouille. Et comme ma maman, c'est son animal préféré après le hibou. Et forcément, j'ai craqué dessus. Mais putain, mais il est passé où, le truc? J'ai pas le manche. J'ai perdu le manche. Mais... Ok, bon, je vais chercher dans la pièce, je reviens. Donc, je n'ai pas tout de suite retrouvé le pied. Donc, j'essaierai de le retrouver avant que je filme le face tourné. Parce que de toute façon, je fais jamais le même jour. Donc, voilà à quoi ressemble la figurine de Tsuyu. Elle est très mignonne. Elle est dans sa tenue scolaire. Je la trouve très, très chou. Et j'ai vraiment craqué dessus. Donc voilà, et donc normalement là tu vois il y a un petit socle transparent qui maintient le pied. Thank you.
Cette maxi ouverture de figurines est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commentant ou en partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets la précédente vidéo Figure House ici, la playlist des figurines, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu auras donc le lien de toutes les figurines qui sont encore disponibles, les liens vers mes autres réseaux sociaux, le code promo pour le site de Figure House, etc. Sur ce... Bye-bye.